J'ai bien envie de revenir en arrière et de recommencer ce conte à ma manière. Ciboulette, est-ce que tu es là? Oui, je suis ici. Décidé d'être comme toi, Steph. Tu seras jamais aussi bon que moi à l'école, Michel. Je vais pousser les talents que j'ai, puis je vais en faire de la musique. Oh, bonjour, Stéphano. Tu cherches quelque chose, ma garçon? Une pâte à ta chocolat. Tu es un génie. Tada! La Jojo est de retour. Je vous ai manqué? J'ai fait un drôle de rêve. Veux-tu que je te raconte mon rêve? Dis ça, si je veux retrouver mon enfance, il faut que je recule dans le temps. Il était une fois? Oui, ça c'est très bien, ça. Oh, ça m'inspire beaucoup, ça. Il était une fois. Ici, nous créons les souvenirs d'enfance depuis toujours. À Radio-Canada, la jeunesse est éternelle. Le cube de l'amitié. Il y a plusieurs facettes à un cube de l'amitié. En voici quelques-unes. Premièrement, le cube de l'amitié est un objet que l'on peut prendre dans la main. C'est un vrai cube et il est fait pour enseigner aux jeunes, étape par étape, des habiletés, comme par exemple la coordination main-œil, la reconnaissance des formes, les nombres et une nouvelle façon amusante d'apprendre un alphabet simple. Les enfants aiment jouer avec les codes des cubes. Le cube de l'amitié est facile à apprendre, car il est intuitif, parce que les symboles se lisent comme ils se prononcent. Il y a une corrélation entre la géométrie et la phonétique, entre le son et la lumière, qui fait de ce cube un élément naturel, intuitif, et que l'on utilise de façon instinctive. Il promeut aussi une communication saine. Les jeunes se parlent et lèvent enfin les yeux de leurs ordinateurs et de leurs dispositifs électroniques. Ils ont aussi une chance de se raconter des histoires, de faire la promotion de leçons morales à travers des histoires. Cela permet aux enfants d'apprendre à penser par eux-mêmes et à être créatifs. Ce cube ouvre les esprits et libère leur imagination. Une autre facette du cube de l'amitié est l'utilisation d'un simple code visuel binaire. Les lettres sont dessinées selon leur son, les rendant faciles à lire de façon intuitive. En tant que code, il est reconnaissable par l'œil humain et par les outils intelligents. Ce code visuel binaire peut être utilisé par des gens avec des niveaux de langage ou d'habilité bien différents. Le cube de l'amitié est un outil efficace de communication dans un monde virtuel. Le rêve du groupe du cube de l'amitié est d'en faire un objet universel qui servira à augmenter l'innovation, l'éducation et la coopération internationale parmi un éventail large de participants. Vous allez me demander que fait le groupe du cube de l'amitié aujourd'hui? La chose la plus excitante, c'est qu'ils commencent à voir les résultats de leur approche. Au lieu de juste donner un cube de l'amitié à quelqu'un comme un cadeau, ils veulent donner le pouvoir aux gens, les éduquer, les préparer pour un monde digital dans lequel ils se sentiront mieux connectés. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'encouragement, car ils se sentent isolés. Le seul fait qu'ils soient appelés « cube » de l'amitié, le mot amitié revêt pour eux un sens très important. L'idée est que les détenteurs de cubes peuvent jouer, partager, apprendre, réseauter pour faire ensemble des projets dans un langage commun et efficace. En partant du concept du cube de l'amitié, un outil qui aide les gens à se regrouper, à jouer et à apprendre, les étudiants et les autres participants sont encouragés à organiser des actes de gentillesse planifiés pour améliorer les communautés locales. C'est un principe de base qui fait la promotion de l'amélioration de soi et de sa communauté.
La vision principale est de capturer l'intérêt des jeunes et des adultes de tout âge pour qu'ils se sentent engagés et pour les aider à se sentir inspirés, à penser et à agir de façon créative et collaborative. Il est encourageant de voir des enfants, des adolescents et de jeunes adultes se sentir bien et autonomisés par ce qu'ils font ensemble. C'est comme un changement de pensée, de paradigme, afin de mieux nous conduire vers un avenir plus heureux. C'est une contribution positive à notre communauté, un projet à la fois. C'est la possibilité que cet outil d'éducation vous ouvre la porte vers un monde digital. Le cube de l'amitié, c'est une possibilité, celle du pouvoir de la communication. C'est une chance de construire un monde meilleur à travers des amitiés pacifiques, tout en ayant du plaisir. Pour plus d'informations, contactez Graham Kirshaw, qui est chef d'équipe, à l'adresse courriel suivante educubecanada, et vous pouvez évidemment aussi visiter le site www.educube.ca.